juin 2020. Je suis à Koh Tao, en Thaïlande, pour l'anniversaire de ma copine et j'ai une idée. Et si c'était le moment parfait pour essayer la boxe thaï? En temps normal, vous avez plus de chances de me croiser à la salle plutôt que sur un ring. Je m'appelle Hugo et je suis powerlifter, c'est-à-dire que je fais du squat, du développé couché et du soulevé de terre. C'est tout, rien de plus. Et au lieu de profiter de mes vacances en chillant sur des plages que tu vois normalement que le vendredi soir devant Koh Lanta, j'ai décidé d'aller me faire éclater par des thaïs vénères qui pensent qu'avoir le nez cassé dès 12 ans, c'est normal en fait. C'est ma vue tous les matins. On a loué un petit bungalow, et donc ça c'est le tour du propriétaire. Donc quand vous rentrez, on a un petit lit à baldaquin. Il y a pas mal de moustiques, hein. Donc ça explique la moustiquaire. Donc c'est assez petit, mais c'est quand même tranquille. On a la clim. Les salles de bain, assez grandes. Et un truc sympa de la salle de bain. Donc là, il est à peu près 9h, je vais finir de transférer mes fichiers et puis après on va aller à la muscu. À l'intérieur. Oh. Oh. C'est ma deuxième séance ici et le truc c'est que je sais pas si j'ai le droit de deadlift. Hier j'ai fait squat et bench, donc là on va voir, je vais demander à Darius le propriétaire si j'ai le droit de deadlift et sinon bah on avisera. Bonne petite séance, pas très intense, juste un peu de sumo pour pas oublier le mouvement et un petit peu d'assistance parce que cet après-midi j'ai boxe et boxe super intense, donc j'ai pas voulu me cramer, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se prendre un petit post-workout histoire d'être sûr de récupérer un maximum avant la séance de boxe. Si vous vous entraînez deux fois par jour, vraiment faites des siestes. C'est vraiment la clé pour récupérer. Regardez-moi cette vue sur quoi je me réveille, putain. Alors, attendez, c'est peut-être trop lumineux pour vous. Ah là là, si c'est pas le paradis ça. Les gars, je me suis arrêté de prendre un petit pré-workout sur le chemin. Je suis passé en scooter et j'ai senti l'odeur des beignets. Vous me connaissez, j'ai dû m'arrêter, c'était obligé. Bon les gars, c'est censé être un cours collectif et il n'y a que moi aujourd'hui. Donc là, je sens que je vais me faire savate encore pire qu'hier. Oh,
Première impression à chaud après le premier cours de boxe thaï, les gars, j'ai transpiré comme jamais j'avais transpiré de ma vie. Ça faisait longtemps que je m'étais pas donné à ce point-là. Je pensais que j'étais un guerrier quand je faisais du powerlifting. Vous voyez sur ma séance, RPE 8,5, ok, aujourd'hui je vais me donner. Franchement, on se rend pas compte, mais la musculation en général, je pense pas que la force athlétique, c'est vraiment un sport gentil entre guillemets. Il y a vraiment très rarement où on se pousse au-delà des limites, par peut-être le jour J en compétition. Encore, c'est une répétition quoi. Là, l'entraînement de boxe, c'est une intensité. Je vais pas vous mentir, hein, PLS dès le début. PLS dès le début. Pour vous raconter un peu, on a commencé avec un échauffement à la corde à sauter. Et heureusement que j'en faisais quand je faisais du basket, parce que sinon, je pense que pour le coup, j'aurais été vraiment ridicule. Et puis après, direct, on m'a mis les gants et puis j'ai commencé à boxer avec l'entraîneur. Il faut savoir que moi, c'est ma première fois que je fais de la boxe tout confondu, hein. Muay Thai, tout ce que vous voulez. On a commencé à apprendre les combinaisons. Donc, jab, punch, kick, coude, genou. T'as beaucoup d'informations à assimiler en même temps et en très peu de temps. Donc, faut d'abord apprendre la garde, le jeu de jambes. Et puis après, il te sort des combinaisons. Donc, c'est ça qui était vraiment dur, je pense, pour la première séance. Ça a duré à peu près peut-être 30-45 minutes. Et après ça, on a fait du sac de frappe, poids de corps en fin de séance avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abdos. Je regrette d'avoir skippé les abdos en fin de séance de powerlifting parce que là, j'ai douillé. C'était un peu près tôt pour la première séance. Je suis revenu avec un orteil en sang. Mais franchement, bonne expérience parce que t'es lessivé, mais c'est pas un point où t'as pas envie de revenir le lendemain. En tout, j'ai fait 3 séances de Muay Thai durant cette semaine. Une erreur que j'ai faite par contre, c'est d'aller à la salle le matin avant la boxe. C'est déjà assez dur de s'adapter à une nouvelle discipline, alors en plus rajouter un entraînement de power, même léger, c'était pas forcément malin. J'ai pas vraiment eu le temps de bien récupérer avant les séances, et en plus j'ai eu des courbatures pendant une semaine à mon retour à Bangkok. On arrive à la fin de cette vidéo, si cette découverte de la boxe thaï en Thaïlande vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, dites-moi en commentaire si j'ai assuré niveau boxe ou si au contraire j'ai foutu la honte à la France. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, on est en 2021 et on est reparti fort. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao. Je crois que je me suis pris 2 ou 3 balayettes.